Voyons voir ce que va donner cette qualification sur ce circuit que j'apprécie tant. DRS ouvert. On attaque le chrono de la Q1. Il reste 2 minutes. Un petit peu bloqué les roues. C'est pas trop grave, je pense. La remontée vers le troisième virage. On va essayer de bien freiner sans bloquer. J'ai tendance à un peu bloquer ici dans cette section. Ça repart. Et 52% au niveau du freinage. J'ai déjà bien rebalancé la voiture. On est très très bon sur les freins. Trop peut-être, et j'ai tendance à facilement bloquer. Course de pédale un peu courte. C'est pas le tour le plus fluide que j'ai fait depuis le début du week-end. Les essais du vendredi se sont, eux, particulièrement bien passés. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble d'un tour? Tomber deux rapports. DRS ouvert, ça devrait suffire pour se qualifier. Voilà, sans trop de difficultés, 1-0-3-0-18. Allez, une première séance qui s'est bien passée. Les deux Toyota sont devant. Mercedes n'est pas loin. Red Bull et McLaren en outsider, comme d'habitude. La Ferrari de Leclerc dans le top 10. Celle de Ricciardo également. Et Aitken, 11e. Pas de grosses surprises. Et parmi les éliminés, évidemment, les Haas, les Williams et les Alfa Romeo. Il reste à peine une minute dans cette Q2. On va laisser filer l'Alpine. Hop! Un petit peu large, c'est pas grave, ça ne compte pas pour le lancement du tour. Allez, c'est parti, on est en pneu tendre puisque on annonce de la pluie pour le départ du Grand Prix. Très généreux sur le droit Lauda là. Surprenant même que je n'ai pas pris un rappel de limite de la piste. 40 secondes de la fin, il ne faudra pas se louper. L'Alpine devant, à surveiller quand même parce que faut pas qu'elle nous gêne outre mesure. Oh là 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 là, oui, on l'a laissé filer, mais peut-être pas assez. Et on doit se battre avec l'Alpine dans le tour chrono. C'est chaud, ça passe. Face à Kvyat. Du coup, j'ai un peu trop tiré sur mes rapports de boîte, mais c'est pas trop grave. Très bon partiel. Une nouvelle fois ici dans les enchaînements, on est bien. Le but, c'est pas important, d'avoir coupé au premier virage de manière aussi intense. On sera quand même en Q3, pas de catastrophe sur ce circuit, on est toujours bien à l'aise. Et à la fin de la séance, eh bien voilà, on se qualifie avec le meilleur temps malgré le souci de l'Alpine qui nous aura pas trop retenu finalement. De nouveau les deux Toyota en tête, mais Pierre nous mène la vie dure, la pole n'est pas garantie. Derrière Hamilton, Verstappen est là, et la grosse surprise de cette Q2, ce sont les deux Aston Martin qui se hissent au 5 et 6e rang. Grosjean et Aitken sont également qualifiés, par contre, pas de Ferrari, pas de Bottas, et Ocon sur l'Alpine, tout comme Kvyat, sont éliminés, donc surprenante cette Q2, on va voir ce que donne la dernière séance du jour. À 1 minute 30 du terme de cette Q3, on va attaquer notre chrono. Et on va voir ce qu'on peut faire pour éventuellement aller chercher une pole position face à Pierre. Il n'y a pas match avec Mercedes. On est bien, on est un petit peu large. On a perdu du temps dans le droit Lauda. Ça va être difficile. Remonter vers le troisième virage. Ce freinage compressé ici, très délicat. On n'a pas bloqué, c'est déjà bien. On reste en seconde. C'est d'avoir un petit peu de motricité. DRS ouvert, premier partiel dans le move. C'est bon signe. On bloque un peu les roues. En troisième. Et on sait qu'avec la pluie qui nous attend pour le Grand Prix, on ne doit pas se tracasser des pneus. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher cette pole face à Pierre? Je le sens bien, hein. J'ai toujours bien aimé ce tracé. J'ai dû lever un petit peu ici dans le S. La descente vers le double droit, très important d'être fluide ici. Il va rester 30 secondes, on pourrait éventuellement avoir droit à un deuxième run si c'est nécessaire. DRS. Et on prend la pole, 1-0-2-2. Et vous savez quoi, on va essayer d'aller chercher un petit peu mieux.
histoire de bien enfoncer le clou face à Pierre. Est-ce qu'on peut améliorer déjà? On va essayer dans le premier partiel. Ben voilà, c'est roue bloqué. Donc c'est terminé. On va pas insister. Et alors que Max Verstappen et Gasly se battent pour la première ligne. Le bilan assez autoritaire de cette troisième séance qualificative. On prend le meilleur temps devant Pierre. Verstappen est en deuxième ligne aux côtés d'Hamilton. Les choses sont un peu remises dans l'ordre pour Red Bull. Et l'AlphaTauri d'Aitken, septième devant la McLaren de Sainz. Ça promet une course très intéressante sous la pluie. Séjour de course à Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. En 2019, les tribunes y étaient inondées de rouge en mémoire de Niki Lauda qui avait remporté ici la victoire en 1984. Une nouvelle fois, la course se déroulera à guichet fermé aujourd'hui. Le circuit de Spielberg ne propose que 10 virages, 7 à droite et 3 à gauche pour une distance totale de 4,2 km. De nombreuses excursions hors piste sont à prévoir, surtout dans le dernier virage, où les pilotes bondissent sur le vibreur intérieur afin de conserver un maximum de vitesse. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le capitaine part en pole position aux côtés de Pierre Gasly. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Hamilton, Sergio Perez et Albon, Aitken, Sainz, Stroll et Romain Grosjean, Kvyat, Ricciardo, Valtteri Bottas et Norris, Leclerc, Ocon, George Russell et Nick De Vries, Zhou, Magnussen, Giovinazzi et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Allez, c'est parti! La mise en température de l'auto va être très importante pour le départ de ce Grand Prix. La nouvelle règle cette année qui autorise la modification du parc fermé nous aura permis d'adapter un petit peu les réglages. Donc on a donc une voiture bien plus souple, bien plus haute en termes de châssis et surtout capable de gérer les conditions climatiques qui s'annoncent très compliquées pour la durée de la course. Derrière, on l'a vu sur la grille de départ, pas trop de changements. Toujours les Haas, les Williams et les Alpha derrière. Pour nous, on ne va pas trop se tracasser de la situation. On va juste vérifier qu'on est avec la bonne répartition de freins pour ne pas partir freiner au fameux virage trop tard du côté du virage Lauda. On va voir un petit peu ce que va donner un Grand Prix où habituellement je suis à l'aise, je suis rapide, j'aime piloter. Même si ici les conditions ne font pas la part belle au pilotage demandé, à savoir être vraiment fluide sur l'ensemble des virages. J'ose espérer que la voiture va se piloter. On va essayer de mettre tout ça bien en température. Je ne prends pas non plus trop d'avance parce que je me dis que le temps que j'attends sur la grille, les autres doivent revenir derrière. Donc on va essayer de ne pas être trop gourmand à ce niveau-là. Mais globalement, la voiture a l'air d'être en bonne forme. Et on devrait avoir un premier virage intéressant. Alors au niveau de l'évolution de la météo, je n'ai pas plus d'informations que cela. Ça devrait être humide, mais on pourrait continuer soit sur des intermédiaires, soit repasser sur des pneus slick comme des pneus pluie, puisqu'on a une météo qui est un peu plus incertaine au niveau des prévisions. Donc on va voir ce que cela va donner. En attendant, on rejoint la ligne de départ avec sur cette grille la Toyota de Pierre qui est du mauvais côté lorsqu'il fait sec, mais là, vu qu'il pleut, pas certain que ce soit un gros désavantage. Et puis derrière, tous les autres, notre but sera de prendre un bon envol et de gérer la température des pneumatiques. Allez, la procédure qui est enfin entamée, tout le monde est placé. Et le départ de ce Grand Prix. Alors attention, ça va patiner fortement. On parvient à s'en sortir. Ouf, je bloque. Oui, à l'entrée du premier droit, c'est compliqué de trouver la motricité. C'est Verstappen qui a pris l'avantage sur Pierre. C'est Verstappen qui va aussi se faire bloquer par Pierre dans le troisième freinage. Et nous, on bloque aussi. Pierre va être devant, c'est pas possible. Ouf. Drapeau jaune. Ok, c'est correct. Un départ compliqué, mais on a malgré tout récupéré l'avantage sur Pierre. Oh! Ah oui, il y a de l'eau. Pierre va repasser.
parvient à retenir Verstappen, mais grosse frayeur sur ce coup-là. Et bien voilà les conditions. Et là justement du setup pendant le parc fermé, on a réduit la pression des pneus à l'arrière pour éviter la surchauffe, n'a pas forcément été judicieusement effectué. C'est bien hein, le principe du parc fermé, ça laisse des possibilités de se remettre une voiture un peu plus fiable entre les mains, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse sans essai. Et on passe le vibreur du dernier virage. On attaque le deuxième tour. Pierre en tête. On est deuxième. Verstappen à nos trousses. Perez qui a pris le meilleur sur Hamilton. L'Aston Martin qui est plutôt en bonne forme. Quatrième place. Ils ont besoin de points. C'est pas mal. Pour l'instant, on trouve également la motricité. C'est la bonne nouvelle dans ce début de Grand Prix d'Autriche. Mais combien de temps la pluie va-t-elle nous occuper? Il faudra être très vigilant du point de vue de la météo. On va mettre en deux histoire de trouver la motricité, mais c'est pas simple. On reste en mélange riche, on peut brûler du carburant dans ces conditions humides. La voiture consomme bizarrement un peu moins. Et toujours aux trousses de Pierre, on a eu un départ relativement compliqué, mais propre. Alors maintenant, sommes-nous en mesure d'aller rechercher Pierre ? Dans ces conditions, faudra-t-il attendre que la piste sèche, ce qui devrait s'opérer d'ici la mi-parcours. Hein. On a prévu peut-être de finir avec des pneus intermédiaires chez certains. On a cramé nos pneus tendres. Regardez ce dernier segment très complexe. J'ai vraiment du mal à trouver le moyen de mettre l'auto en bonne condition. Pierre qui insiste sur le meilleur tour, une seconde 7, c'est déjà énorme l'avantage de la première Toyota. Continue de flinguer, de brûler ce carburant derrière, c'est chaud. On a Verstappen et Perez qui ne sont pas loin. Ouf, là aussi la répartition de freins. Peut-être un petit peu de boulot. À Jeff qui nous annonce la fin de la pluie. Situation intéressante pour nous. Par rapport à ce que peut proposer Jeff, il y a peut-être des solutions. Que va-t-on faire du côté de la stratégie? On sait que c'est parfois difficile d'évaluer les conditions météo. Alors j'avoue que le bouton Overtake est pour l'instant un peu remis au garage. La raison, ouh là là, oui, j'ai tapé le fond plat, Verstappen va revenir. Ouais, grosse erreur de ma part là, dans une piste qui change à chaque tour. Très difficile d'évaluer la voiture, Verstappen qui se laisse dépasser finalement. On va arriver à la fin de l'excédent de carburant. Des freins, oui, je pourrais presque passer à 40% là pour avoir quelque chose de correct. On va rediminuer le mélange de carburant. On va toucher le vibreur, on n'a pas le choix. Mais le ciel semble s'éclaircir. Allez, la solution est peut-être au bout du premier relais avec ces pneus intermédiaires qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne suce pas trop, 14%, 15% à l'arrière. Malgré les patinages excessifs, ça va. Pareil au niveau de la température, on a bien fait de baisser cette pression. Ça soulage un petit peu les gommes. Et Pierre, 2 secondes 6 d'avance, il commence à bien dominer. Meilleur tour en course pour la Toyota numéro 10. Un début de course relativement calme, pas de fait de course. Allez, les premiers arrêts au stand pour l'une des As. Effectivement, on a une As et une Alfa Romeo dans les pits. Alors ça y est, Jeff qui commence à parler stratégie. On pourrait rentrer monter des slicks à la fin du 6e tour. Alors que là, on nous annonce maintenant que la piste est sèche, le DRS est disponible. Alors est-ce que c'est pas prématuré pour monter des pneus pour piste sèche?
Non, la piste a l'air d'être un peu plus sèche que tout à l'heure, mais c'est très très subjectif. Ah, mon deuxième partiel parle, hein. Par contre, clairement. Alors, est-ce qu'on a assez? On a 3 secondes 3. Est-ce qu'on aurait assez de temps pour faire un double arrêt chez Toyota? Ça plonge chez Red Bull, hein. On se pose pas de questions. Et Pierre qui est donc rentré, on va tenter le double arrêt chez Toyota. Et on va retenir la Red Bull. Bon, stratégie intéressante, hein. Il faut absolument que Pierre ait dégagé la pit lane rapidement. Allez, le double arrêt qui doit être fait chez Toyota sans trop perdre de temps. Oui, c'est quasi parfait. Allez, voilà. Et on perd, nous, par contre, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on est en pneu slick sur une piste encore très piégeuse. On n'a pas réduit d'ailleurs la quantité d'ailerons. Nombre de clics sur l'avant. C'est pas grave. On est ressorti derrière Perez. Verstappen, on a perdu beaucoup de temps dans ce double arrêt. Et on aurait peut-être perdu beaucoup plus si on était resté un tour supplémentaire avec des pneus intermédiaires qui étaient totalement à l'agonie. Alors, Pierre n'est pas non plus en odeur de sainteté puisqu'il a devant lui une McLaren qui va le retenir. Par contre, le temps perdu dans les stands, il va falloir le rattraper en piste et pas ailleurs. C'est encore très sombre, hein, malgré tout. La piste qui a relativement rapidement séché. Alors devant, l'Aston Martin de Perez avec un moteur Mercedes qu'on devrait être capable d'aller chercher. Et là, on va pouvoir retrouver ce rythme qui me convient bien, cette fluidité sur un tour ici à Spielberg. Encore des arrêts au stand pour les voitures de tête, la deuxième Red Bull. Albon qui ne s'était pas encore arrêté. Ah mais là, on retrouve du grip, ça fait du bien. Ça fait du bien. Une voiture logique. On fait le meilleur troisième partiel. Ah oui, je vous dis. La voiture est bien réglée. Je compte bien vous le prouver. Meilleur tour pour Nyck de Vries, le néerlandais. Qui revit sur l'Alfa Romeo. Qui est en tête d'ailleurs, je crois. Eh bien, c'est Pierre hein, maintenant sur la piste. Allez, le DRS que n'a pas Perez. Pour aller récupérer le pied du podium. Attention, ça bloque un petit peu. Et au niveau du mélange, on va se calmer aussi. Au niveau de la répartition, les choses sont beaucoup plus simples pour moi. L'attaque, l'amorce des freins est plus facile. Okay, the gap behind is 1.8 seconds. Ça va être du petit et d'aller chercher notre ami Sergio alors que Pierre vient de faire le meilleur tour en course. Battu par Verstappen, battu par nous-mêmes. Alors qu'on est sur les talons de Perez, on va plonger face à l'Aston Martin. Et on récupère le DRS, on continue notre progression côte à côte avec le Mexicain. Est-ce que ça peut passer dans le freinage? Même avant, c'est fait. Allez, un dépassement. Sans doute scolaire, mais intéressant. Deuxième Hamilton, ça aussi c'est intéressant pour le championnat vis-à-vis de Max Verstappen. Il y a un gouffre hein, entre nous et Hamilton. 3 secondes à aller chercher. On peut faire la différence encore dans ce Grand Prix d'Autriche. La course est loin d'être terminée. Encore 10 tours à boucler. Et on est parti avec des pneus tendres. Hein. Donc ça aussi, ces gommes devront aller au bout. Alors, sont-elles neuves? Ça, c'est la question qu'on est en droit de se poser. Vous avez votre réponse. Non, les pneus ne sont pas neufs. Ils ont été rodés en Q2 ou en Q3. Meilleur tour de Pierre Gasly. Oh là là, Pierre qui est rapide. Hamilton qui le bat. Verstappen à son tour. La piste sèche, elle chauffe. Et chacun à leur tour, les pilotes reprennent le meilleur tour en course. On est un peu déforcé pour l'instant parce qu'on a... une voiture qui n'a pas d'aspiration, contrairement à Hamilton et Verstappen qui sont pas loin de Pierre. Allez, la Toyota qui a les moyens techniques d'aller rechercher un podium. Sinon, c'est gros jackpot là pour l'instant pour Pierre au niveau des arrêts. Tout s'est bien passé. Ah, le double arrêt était quasiment au millimètre. J'ai ralenti dans la descente vers les stands pour que Verstappen soit retenu. Ça a fonctionné puisqu'Hamilton est bien devant le néerlandais. Un petit peu large ici, mais on est in extremis.
Je demande beaucoup à la voiture, je suis conscient. Là, je suis en train de la solliciter peut-être plus qu'il n'en faut, mais il faut recoller à Hamilton et à Verstappen. Et les meilleurs tours qui tombent, 1-1. Verstappen et Hamilton, les plus rapides en piste. On a le meilleur troisième partiel malgré tout. Et Jeff qui nous rappelle qu'on a des pneus qui doivent aller au bout, mais ça va. On en consomme moins que prévu. Le carburant, finalement, on remonte au-dessus du tour assez vite. Premier secteur dans le rouge, alors que j'ai pas l'impression de mal rouler. Du moins, pas plus que ça. 3 secondes 7, ah ouais, oui. Pas forcément plus vite, hein, Verstappen, maintenant qu'il a été doublé par Hamilton. Derrière, il y a un énorme gouffre aussi avec Perez. 1 seconde 6, ça continue de grimper. On est dans le bon sens, au niveau des pneus, au niveau du rythme. Il n'est pas fini ce Grand Prix d'Autriche. Deuxième partiel dans le move. Oui, on tape dedans, comme on dit. Oui, voilà, je suis allé au bout de l'ERS. Peut-être pas la meilleure idée, là, de mon Grand Prix. On a bien pris le dernier virage. Bien mordant, bien incisif. Il y a du grip. Et on reprend le meilleur tour. 1-04, 437. On n'est pas loin. Des meilleurs tours effectués en qualification sur piste sèche. Il y a encore une bonne seconde et demie à aller chercher. Le carburant fait le reste. Verstappen, 3 secondes 3. Ça se stabilise, hein. C'est difficile d'aller chercher Verstappen. Hein. On donne tout. Au niveau des pneus, tout le monde est entendre, donc ce sera statu quo. Un Grand Prix extrêmement calme, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de neutralisation, c'est très bien. Ça nous arrange pas. Et Verstappen, 3 secondes 4, ça se stabilise. On peut pas aller rechercher le néerlandais. On n'a pas ce qu'il faut pour l'instant dans la voiture pour aller rechercher Max. Drapeau jaune, une Williams en difficulté. Non, c'est Guan Yu Zhou qui doit abandonner. Est-ce que ça peut nous offrir une neutralisation de l'épreuve? Ça s'est passé dans le début du deuxième partiel de ce circuit. Je tape dedans parce que pour la même chose, si on a une VSC, on pourrait économiser. Attention à Pierre qui va arriver sur la zone sous drapeau jaune. Et le soleil perd sans fin, c'est bien, ça va nous gommer un petit peu la piste, tout ça. Blocage de roue. Pas forcément correct. Drapeau jaune. Et on a vu la Williams qui, d'ailleurs, pour ce Grand Prix, avait un nouveau sponsor. Compagnie aérienne Lufthansa qui a rejoint l'aventure Williams. Drapeau vert pour nous. Et du coup, avec le drapeau jaune, on a repris une seconde à Verstappen. Mais dès qu'on enlève le RS ou le mode dépassement, eh bien on repasse dans des secteurs dans le rouge. On ne peut pas suivre le rythme. On a évacué. Enfin, la Williams du pilote chinois. La course jusqu'au drapeau Adami, hein, pour aller rechercher ces deux-là. 6 secondes, 2 d'avance par rapport à nous pour Pierre. Entre nous, il y a Verstappen et Hamilton. Est-ce que la série de podiums va s'arrêter? Allez, 1 seconde ou 3. Au 15e tour, on aura le DRS sur la Red Bull. Cette piste qui va reprendre encore de la température. 5 tours de carburant, ce sera suffisant pour aller jusqu'au drapeau à damier. Ah, les amis, on peut aller rechercher ces deux monoplaces, j'y crois. Pour l'instant, on est plutôt correct aussi au niveau des limites de la piste. Pas rappelé à l'ordre. Pourtant, on attaque. Hein. Qu'est-ce qu'on attaque ? Verstappen aussi, nouveau duel entre les deux. On n'aura pas encore le DRS sur ce tour-là. Mais on se rapproche malgré tout à l'aspiration. Oh là là, Verstappen qui va plonger face à Hamilton et qui va aller chercher la deuxième position. Et nous, on va avoir le DRS du coup.
Le DRS comme pour Hamilton. Oh là là là, énormissime bagarre, le podium qui va valoir une fortune dans ce Grand Prix d'Autriche. On a plus de grip. Là aussi, les pneus vont avoir leur mot à dire, 31% sur le train arrière. Ouf, j'ai manqué de la perdre. Gros travers. L'avantage, c'est que j'ai pu le sentir venir. Oh là là, Hamilton qui va avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal à résister. Il va rester 3 tours dans ce Grand Prix. Oh, il va vivre un mauvais moment là, Hamilton. Il a le DRS. Heureusement, ça peut peut-être le sauver. Avec l'aspiration des boîtes sur la Mercedes pour le gain. De la troisième place, c'est pas encore fait. On a un peu plus de motricité à l'extérieur. On récupère également le DRS. C'est bien. On est troisième pour le moment devant Hamilton qui semble avoir les pneus qui s'effondrent dans ces deux derniers secteurs de course. Il n'est pas du tout à l'aise. Attention à Max, hein. Attention à Max parce qu'on n'a pas non plus terminé l'explication pour ce podium. Au niveau du carburant, on est bien, on a récupéré de la marge. Ah, cette voiture commence à être une véritable bombe. Par contre, la gestion des pneumatiques, elle est incroyable là. Pas de défaut. Allez, le DRS sur Max Verstappen, il va arriver, il est là. Deux tours de Grand Prix. Faites vos jeux. Verstappen qui va fermer. On va prendre l'extérieur sur la Red Bull. Deux tours de carburant et on passe Verstappen. Oh là là là, ça paraît même un petit peu trop facile. En tout cas, dans le développement, là, chez Red Bull, il va falloir travailler. De nouveau, les deux Toyota devant. Mais cette fois-ci, ce sera pour Pierre, ce Grand Prix d'Autriche. Impossible d'aller récupérer l'avantage. On va récupérer 6 secondes et demie en un tour et demi. Il faut être réaliste. Sur la Nordschleife éventuellement, mais là, il n'y a pas moyen. Eh bien écoutez, la course n'est pas terminée, mais en tout cas, on peut déjà tirer la conclusion que la Toyota sur une piste aussi rapide a de quoi voir venir. Dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche. Dernier tour de la course, Verstappen qui va avoir le DRS. Peut-être devoir se défendre légèrement, mais une fois qu'on aura passé ce secteur, pas trop de soucis à se faire pour la dernière partie du circuit. Et derrière, énorme carton au niveau des points pour Perez sur l'Aston Martin et Lance Stroll, hein, les deux autos 5 et 6. Ça va faire des gros points pour l'équipe qui en a besoin. Du côté de Mercedes, c'est pas encore fait non plus, hein, parce que entre Perez et Hamilton, l'explication vaut cher. Surtout avec... Ah non, Bottas qui est passé derrière. Ah oui, oui. Oh là là, Albon, Bottas et Stroll, c'est la grosse bagarre dans le fond du circuit. En attendant, Pierre ne se pose pas de questions. Victoire de Gasly qui va donc remporter cette épreuve. La 9e de la saison va, quant à nous, terminer 2e de ce Grand Prix d'Autriche, juste devant Verstappen qui va compléter un superbe podium. Suite à un superbe travail d'équipe, nous avons assisté à une très belle victoire aujourd'hui. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle.
voici les résultats de ce Grand Prix d'Autriche. Victoire de Pierre Gasly qui va donc s'imposer devant nous. On va avoir Verstappen sur la troisième marche du podium. Lewis Hamilton, quatrième, va pouvoir mettre de gros points pour Mercedes. Finalement, Lance Stroll se fera piéger avec une voiture beaucoup moins bien classée au classement général. Il terminera juste avec le point de la 10e place pour Aston Martin. La Ferrari de Ricciardo 9e, c'est plutôt pas mal. Et surtout, Bottas remonte avec la 8e position. Au classement général, Pierre Gasly revient à 20 unités de retard. Il est donc à 119 points contre 139 pour nous. Hamilton 3e, 87 points. Et ensuite, Verstappen qui repasse Valtteri Bottas. En tout cas, il le rejoint au 4e rang avec 72 points. Perez, 35 points devant Leclerc. Là aussi, changement entre le pilote Aston Martin et le pilote Ferrari. Pas de changement dans le bas du classement. Et au niveau constructeur, pareil, 99 points d'écart avec Mercedes, mais surtout Aston Martin qui remonte devant Ferrari. Belle moisson de points, en tout cas pour Perez. Derrière, pas de changement avec bien des points pour tout le monde. Alors, on va d'abord s'occuper des améliorations au niveau de la R&D. Et pour cela, on va voir où on en est au niveau des départements. Le moral est positif partout. On a 2000 points. On va pouvoir les utiliser pour améliorer un petit peu la voiture. Je trouve que pour les circuits qui arrivent, le châssis est important. On pourra faire peut-être une amélioration un peu moins importante, même si certaines coûtent maintenant très cher. Hein. C'est compliqué de ne pas faire d'amélioration majeure. Donc, on va essayer de terminer déjà le châssis. Donc, 2000 points investis dans le châssis, c'est déjà une première chose. On a plus d'unité, donc ça c'est déjà une première information. Au niveau des activités, vu qu'on va travailler au niveau du châssis, on va essayer d'améliorer un petit peu les compétences au niveau du pilote et du reste. Voilà, et on va accélérer le temps jusqu'au Grand Prix d'Angleterre qui nous occupera pour la prochaine vidéo qui passera le cap aussi désormais de la deuxième moitié de saison. Alors 25 millions de budget. Alors, Jeff qui nous, qui nous informe que les pièces ont bien été mises en place pour la R&D, donc on reste la meilleure auto. Vous voyez qu'au niveau du temps de développement châssis, c'est quasiment instantané. Hein. On a encore 730 points, mais on n'a pas de petite amélioration. Il en faut 1000 pour la plus petite au niveau châssis. Donc, on va continuer à économiser au niveau de la R&D. Vous voyez qu'on a repris un petit peu sur Mercedes juste avant ce Grand Prix. Les pièces sont toujours bonnes au niveau de l'organisation, les points aussi. Pierre, son contrat est toujours aussi à l'ordre du jour, hein. Vous voyez qu'au niveau des avantages pilotes, il expire dans 4 jours, hein, le lundi 20 juillet, donc juste après Silverstone, il faudra renouveler Pierre, il nous coûtera au moins 13 à 15 millions, donc tant qu'on n'a pas renouvelé Pierre, je le répète, on ne va pas aller voir ailleurs, et quand on voit surtout que Lewis Hamilton est aujourd'hui à 95, et qu'on voit où se trouve Pierre, 98, pas difficile de trouver mieux sur le marché aujourd'hui. Seul Verstappen pourrait jauger. Donc on va continuer à investir dans Pierre et on ira jusqu'au bout de cette saison avec lui sans hésiter, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas mieux sur le marché. Et surtout, on ne veut pas le laisser à quelqu'un d'autre. Donc on se dit rendez-vous à Silverstone. Ce sera la 8e épreuve, cap de la mi-saison. J'espère que vous avez apprécié ce Grand Prix d'Autriche. En tout cas, c'était très intéressant au niveau stratégique. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner à Silverstone avec une voiture tout aussi à l'aise en espérant que la météo soit un peu plus clémente. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain Grand Prix. Salut!